Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche consacré au spectacle vivant en temps de Covid. Le secteur de la culture a évidemment été très violemment impacté par la pandémie, notamment le spectacle vivant, les théâtres en particulier. Et on va justement en parler avec nos invités. Muriel Mayette-Holtz, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène, directrice du Théâtre National de Nice. Avant ça, vous avez été la première femme à diriger la Comédie Française et l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Merci d'être avec nous. Et puis également avec nous, Frédéric Biessy, bonjour. Vous êtes le directeur général du théâtre La Scala à Paris, un théâtre privé. Merci également pour votre présence. Et je voudrais commencer tout de suite avec ces annonces qui ont été faites hier jeudi par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle a reçu les organisateurs des festivals debout avec distance, par visioconférence. Et elle a fait des annonces. Il y aura une jauge maximum de 5000 personnes. Le public devra être assis avec respect de la distanciation sociale. On va tout de suite écouter la ministre et on en reparle juste après. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Moi, je suis persuadé que la situation sanitaire s'améliorant, nous pourrons desserrer ce cadre que j'ai fixé et l'élargir, pourquoi pas en termes de jauge. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ces annonces n'ont pas été suivies d'un enthousiasme délirant. J'ai l'impression que les réactions étaient pour le moins mitigées chez les professionnels. Frédéric Biessy, je voudrais vous demander, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne de l'espoir pour les théâtres et notamment les théâtres privés? Écoutez, ce qui me rassure, c'est que notre ministre, mais ça j'avais aucun doute depuis le début là-dessus, elle est vraiment, elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour nous maintenir en forme, que notre morale soit bon et nous montrer qu'elle travaille à l'avenir. Donc ça c'est très bien. Maintenant les déclarations qu'elle a faites hier, oui, formidable, à condition que le virus ne continue pas à circuler avec la virulence avec laquelle il circule depuis plusieurs temps. Et ce qu'on nous raconte là, c'est pas très très bon. Enfin, donc oui, c'est formidable, sauf que si au mois de juin, on nous annonce qu'il y a 30 000 cas, bah, il n'y aura pas de festival, on le sait. Donc voilà, c'est bien, c'est un vœu pieux, mais malheureusement, elle ne peut rien garantir. Vous ne vous dites pas que s'il y a une jauge de 5000 spectateurs assis pour les festivals en plein air, ça peut être les prémices d'une ouverture des théâtres? Ah si, mais moi je suis persuadé que hier, les festivals ont été, c'était destiné au festival, mais je suis persuadé qu'on rouvrira avant, dans des conditions qui seront certainement très, très en lien avec la situation, c'est une place sur deux, une place sur trois, que sais-je, enfin, mais on va rouvrir avant, je pense qu'on va rouvrir en avril ou en mai, oui, oui, oui. Vous, Muriel Mayette-Holtz, vous aviez écrit une tribune au mois de novembre pour interpeller le gouvernement, demander la réouverture des théâtres. Ces annonces-là, ça vous rend optimiste? Je pense, comme Frédéric Biessy, qu'on devrait normalement, à moins que la situation dégénère, mais réouvrir assez rapidement nos salles. D'autant que nos métiers, avant de proposer de la création, c'est de gérer du public, de gérer des flux. Donc dans les théâtres, on peut proposer les situations les plus optimales en termes de sécurité sanitaire pour le recevoir, le public. Donc dès que les curseurs vont commencer à descendre, j'imagine qu'il n'y a aucune raison de ne pas ouvrir les salles. Après, tant que toute la planète ne sera pas vaccinée, on aura toujours cette épée Damoclès d'une possibilité de retour en arrière. Je voudrais évoquer la situation financière des théâtres. Donc vous, le Théâtre National de Nice, son nom l'indique, c'est national. Vous, Frédéric Biessy, vous êtes un théâtre privé. Comment ça se traduit en termes d'aide du gouvernement? Est-ce que c'est les mêmes aides dans les deux cas? Alors, je ne peux pas parler à la place de Muriel. Non, ce n'est pas les mêmes aides, puisque les théâtres subventionnés sont subventionnés, mais c'est elle qui le dira. Moi, je suis extrêmement reconnaissant au gouvernement des aides qu'il nous apporte en tant que théâtre privé. On est vraiment soutenu. Et je mets au défi qui que ce soit de dire le contraire. On est archi soutenu. Moi, j'ai deux amis qui avaient, puisqu'ils n'en ont plus, deux théâtres à Londres et deux théâtres d'autres qui en avaient deux à Broadway. Et ils ont tous les deux vendu et ils sont en train de vendre leur maison. C'est ça la réalité qu'on vivrait si on n'était pas soutenu. Et nous, on n'est pas en danger. Honnêtement, avec les aides qu'on a, les soutiens, les fonds de soutien, les aides au chiffre d'affaires ou même au chômage partiel, on arrive à garder la tête hors de l'eau et on va pouvoir redémarrer.
C'est aussi votre sentiment, Muriel ? Oui, je souscris à ce que vient de dire Frédéric. Moi, je dirige un théâtre subventionné par l'État et l'État ne nous abandonne pas du tout. La vraie population qui est le plus impactée par cette crise, ce sont les artistes et les techniciens qui sont intermittents, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés. Et ce qui est terrible dans leur situation, c'est que comme on ne peut pas montrer les spectacles, on a beau les reporter, ils ne pourront pas justifier d'heures nécessaires pour continuer à être intermittent. Et ça, ça va se répercuter longtemps dans les temps à venir. Et pourtant, malgré la situation, malgré le fait que les théâtres ne sont pas ouverts, la création continue. Vous m'expliquez, Muriel Marielle-Dolt, que vos acteurs, votre troupe, continuent à répéter. Alors moi, quand je suis arrivée à Nice, j'ai tout de suite installé une troupe. Donc là, j'ai 8 artistes qui travaillent avec moi. Ça me donne une autonomie considérable. J'ai grandi à la Comédie Française, je suis une femme de troupe. Et c'est vrai que la permanence d'artistes dans des lieux nous permet de continuer à être efficace. Moi, je suis au travail depuis le début de cette crise. J'en suis à mon 3e spectacle en répétition qu'on proposera dès qu'on pourra rouvrir les portes. Ça n'est pas le cas pour les théâtres qui n'ont pas de troupe permanente. Et pourtant, vous, Frédéric Biessy, vous avez aussi une forme d'activité. Vous avez notamment fait des captations, des enregistrements d'albums, de concerts, et puis vous avez des répétitions également, notamment de la pièce d'Alexis Michalik, je crois. Oui, absolument. Sous une autre forme que celle dont vient de parler Muriel, parce que moi, je n'ai pas de troupe permanente. La Scala a fidélisé des artistes depuis sa création et même avant, puisque c'est eux qui nous ont aidés à la construire, cette salle, à la réfléchir, à la penser pour eux. Et du coup, ces artistes comme Francesco Tristano, qui est venu enregistrer son dernier album à la Scala la semaine dernière, et on a offert en fin de session d'enregistrement un enregistrement en public. Alors, public restreint, bien sûr, mais il y avait des gens dans la salle, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai eue à voir mon théâtre, le sol de mon théâtre foulé par des spectateurs avec un artiste sur le plateau, j'ai cru que j'étais en train de rêver. Et ça a été diffusé en live sur Facebook et très suivi, parce que Francesco est un artiste que les gens aiment. Et puis de la même manière, Alexis en ce moment, Michalik, vient travailler régulièrement à la Scala pour préparer les doublages des rôles, puisqu'il va tourner le film de sa pièce et qu'à un moment, il va falloir qu'on remplace les acteurs sur le plateau. Il y a une activité assez... Parce que comme dit Muriel, en réalité, on n'arrête pas. Mais le public nous manque. Il y a des nouvelles formes d'activité, de façon d'avoir des rapports avec le public. Il y a les captations, les diffusions en direct. Vous aviez fait, Muriel Marielle-Dolt, par exemple, les contes d'apéro. Ça se passait non pas dans l'enceinte du théâtre, mais à l'extérieur, dans les rues de Nice. Absolument. C'est-à-dire qu'on a été inventif face à cette crise. Et j'ai envie de dire, on a 3 volets. Il y a ce que nous répétons dans le théâtre. Alors moi, je répète avec la troupe. Et puis j'accueille toutes les compagnies que je peux abriter de la région. Je les abrite. Donc on a une activité de création qui est en attente du public. D'un autre côté, on fait un travail considérable dans le cadre de l'éducation nationale. Moi, j'ai un projet qui s'appelle « Lettre à mon père » avec Eric Fotorino. On est dans 25 collèges différents. Et puis, on a les programmes dédiés crise, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Et puis, des programmes vidéo que j'ai fait, des capsules. Par exemple, on fait toute une collection des grands personnages du répertoire en 3 minutes. On a, disons, 3 casquettes et paradoxalement, on n'a jamais autant travaillé pour essayer de garder une activité et un rapport avec le public avant, en attente de cette réouverture. Vous avez l'impression qu'il y a une forme de fidélité du public envers les théâtres, envers la création artistique, peut-être Frédéric Biessy ? Ah oui, très, très, très clair. On l'a vu d'ailleurs quand on a, après le premier confinement, quand on a rouvert, alors moi je n'ai rouvert qu'en septembre, parce qu'ouvrir pour un théâtre parisien privé au mois de juillet, c'est compliqué. Et donc quand j'ai rouvert en septembre, on était quand même inquiets. On s'est dit, ouais, il va falloir relancer toute une machine à Paris, il y a pas loin de 60 théâtres de la dimension du mien, donc c'est compliqué, il y a une vraie... Et non, les gens sont revenus comme un seul homme, extrêmement... enfin, presque militant, quoi. Ça a été la très, très bonne surprise. C'est pour ça qu'on est... Je ne sais pas ce que Muriel en pense, mais moi, je suis très, très optimiste une fois qu'on se sera débarrassé de ce satané virus ou qu'on l'aura endigué. Je pense que le public va revenir, je pense qu'il en a besoin, et à un point que je n'imaginais pas. On est, alors le non-essentiel, je ne vais pas m'amuser à rebondir dessus, mais en réalité, on l'est assez. Je crois que les gens ont réellement besoin de ça, et plus que je ne le croyais.
Je partage absolument cet enthousiasme. On doit, dans nos métiers, répondre à la question régulièrement à quoi ça sert, le théâtre. Cette crise y répond à notre place. Ça sert à échanger, c'est une école de la vie, c'est un rendez-vous. Et c'est surtout, ça s'appelle les arts vivants. C'est un vrai moment ensemble et c'est ce qui nous manque le plus. En fait, finalement, c'est une crise révélatrice pour aussi bien le public que pour vous, qui vous montre le lien qui vous unit. C'est un rapport et une création incroyablement archaïque et sophistiquée dans le même temps. Alors, au fond, ce rapport avec le public, cet échange, est vraiment ce qui nous manque le plus. Et je suis persuadée que le public sera au rendez-vous dès qu'on rouvrira nos portes, l'a été à la rentrée en septembre. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Muriel Mayette-Holtz, d'avoir été avec nous, donc directrice du Théâtre National de Nice. Merci également à vous, Frédéric Biessy. Vous êtes le directeur général du Théâtre La Scala à Paris. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va quand même se quitter en musique avec cette parodie de l'Opéra National de Finlande qui a revisité le Così fan tutte de Mozart et l'a rebaptisé Covid fan tutte, un spectacle en ligne à ne pas manquer, disponible sur YouTube jusqu'au 4 avril prochain. La musique adoucit les mœurs et les pandémies. À très vite sur France 24.